Voilà ce qu'elle en dit, la psychiatrie, de ces enfants-là, qui sont nombreux. Et de lui-là en particulier, pour ne pas dire en personne. Voilà ce qu'il peut en dire, le psychiatre, qui s'efforce de dire au plus vrai de ce qu'il en voit et de ce qu'il en sait. Il avait donc 12 ans en 1967, invivable, c'est vrai, des voisins à cause de tout ce qu'on peut se dire, de tout ce qui peut se dire, et puis rien à faire. Ils l'ont bien dit, incurable. Insupportable, invivable, incurable. Invivable alors, la société a tout prévu, et même des lieux où un vivre, le soit, prévu. Et il se trouve que ce lieu-là prévu pour, je le connais. Les murs sont des murs, les toits sont des toits, des arbres il y en a, et les fenêtres ne sont pas tout à fait des vraies fenêtres. Les fenêtres ne s'ouvrent pas. Pas de mots. Du fer enrobé dans le bois, la grille ne s'y voit pas. Alors, que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres? Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir que le temps qui passe? Et le temps, ça ne se voit pas. Il est atteint, cet enfant-là, d'autisme infantile précoce. Alors, son isolement est extrême, dit la psychiatrie. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Le symptôme est flagrant. Et puisque c'est d'immuables qu'il a besoin, il en aura tout son sou, de l'immobile et du réitéré et du toujours pareil. Cette photo, cette image a été prise ici, loin de ces lieux prévus exprès tout à fait pour. Très loin, à l'autre pôle. C'est à l'autre pôle que nous sommes. Et nous venions d'y arriver avec ce gamin-là, à la clé de nos existences. Ce qu'il tient dans sa main, ce qu'il contemple, c'est une petite boule d'argile accrochée à une ficelle. L'un d'entre nous avait dû la rouler entre ses paumes et l'accrocher là, à une branche. Et le tour était joué. Il allait nous le faire voir, ce gamin-là, que la terre ne tournait peut-être pas dans le bon sens. Ce gamin-là, né avec une incapacité innée d'établir la relation à l'autre et souffrant d'un besoin impérieux d'immuable.
Séquence de ligne A1, première. Parlez. Parlez. Parlez comme si c'était tout naturel. En parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent. Alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. Mutique, ce gamin-là, alors, à quoi se fier? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut, le langage? Nous nous sommes mis à tracer. Ce gamin-là, qui n'est pas parlant, trace. Pendant des mois, sa main a tracé des ronds. Des ronds et rien d'autre. Elle en trace encore. Nous nous sommes mis à tracer nos mains suivant à la trace ce que nos yeux voyaient. Nos yeux, ce que notre regard était capable de voir. De saisir, de nous rapporter. Et voilà les trajets de ce gamin au cours d'une journée,
de septembre 1967. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, soit en courant, comme si quelqu'un était au centre de son manège, le tenant au bout d'une longe. Ça se dit qu'un gamin tourne mal. Lui, il tournait sans cesse, sur lui-même. Voilà ce que le langage nous fait dire. Il tourne sur lui-même. Mais si ce fameux lui-même est en fait absent, vacant, cet enfant-là tourne autour de rien, sur rien, éperdument, perdu. C'est donc qu'il le chercherait celui-même, qu'il se chercherait. Nous n'avons pas pris cette piste-là. Ce gamin l'a tourné, ni bien ni mal, au-delà, par-delà, le bien et le mal qui sont l'affaire de la parole. Jamais l'ombre d'un sourire sur son visage, sa mère me l'a dit. Il n'a jamais tendu les bras, pas l'ombre de l'autre, jamais, dans le champ de son regard. Ce que je me suis dit, et que j'ai dit et redit, inlassablement, immuablement, à nous autres, à ce nous autres, là, ce que j'ai dit et rabâché, c'est nous qu'il cherche. Et nous, nous y étions là, proches, attentifs, étonnés, inquiets, émus. Là, c'est une vaste demeure entre deux dents de rocher. Nous, des êtres pensants, êtres de langage, de chair, de sang, d'os, et de langage par-dessus tout. Sinon, à quoi voulez-vous vous fier? Mais puisque le langage ne porte pas, puisqu'il ne l'a pas, ce gamin-là, qu'il n'y entend rien, alors la différence est énorme. La distance, infinie. Invivable, cet enfant-là. Insupportable. Incurable. Et nous, à ses yeux, invisibles, inexistants. Tous ces mois-là, il tournait, il tournoyait, comme un vol de pigeon. Et la terre et les toits auraient disparu. Alors, le vol n'en finirait pas de tournoyer.
D'ailleurs, tous ces mois-là, ce gamin ne marchait pas, il courait, talons jamais posés. Inlassable, infatigable. C'est pas normal d'être infatigable. Le trou du loup, l'enfant sauvage. En plus, voilà qu'il aboie. Un aboie rauque. Un aouf. Allez savoir comment ça s'écrit. Et il lui arrivait aussi de se cogner la tête contre un mur. Violemment. D'autres enfants nous étaient advenus semblables à celui-là par certains traits, certaines manières d'être. À croire que la vacance du langage les fait jumeaux, ces enfants-là. Et nous avons pris position. Nous n'étions jamais que quelques-uns en petites unités éparpillées dans les monts de Paris. Il fallait tenir, et de jour, et de nuit, malgré l'invivable, l'insupportable. Dans les vagues, dans les monts érodés de la chaîne hercynienne, quelques radeaux d'après le désastre. Désastre, le langage a disparu, comme on le dirait du soleil. Et nous, à vrai dire, bien désemparés, mais tenaces. Il finirait bien par le percevoir que nous y étions là, proches. Nous, de chair, de sang et d'os. Et peut-être d'autres choses que de langage. Il a peur. Il fait la luche tout seul, par contre. Pente. Oui, c'est pas la pente, il a pas peur de la pente. C'est un petit coin, c'est pas les regards. C'est pas les autres. Non, il fait aussi de la luge tout seul, où il y a du monde, ça c'est pas ce qui gêne. Non, mais c'est le fait d'être debout sur quelque chose d'instable. Mais dans une luge, il part tout seul, il s'en va. Il s'arrête et le... Bon, allez, on va se réveiller. Allez.
ce que je peux dire, ce que je dois dire, c'est que nous n'avons pas du tout cherché à savoir ce qu'ils avaient, de quoi ils étaient atteints. Nous nous sommes mis à la recherche de ce qui pouvait bien nous manquer, nous faire défaut, et gravement, pour que ce nous-là, de personnes conjuguées, soit, à leurs yeux, inexistant. Inexistant, peut-être pas tout à fait, de loin, de très loin, même quand l'enfant était proche, il arrivait qu'il distingue vaguement quelque chose qui n'avait rien à voir ni avec l'un, ni avec l'autre.
Ah. Elle le l'électricité.1968. Un an à peu près, jour pour jour, qu'il est là avec nous, ce gamin, à la boule d'argile, encéphalopathe profond. Tourner et se balancer. On dirait un mouvement d'horlogerie. La roue et l'encre. Des fleurs noires. Ici et là, sur la ligne d'air. C'est là où il s'arrêtait de courir. Et se balancer était quelquefois de moindre envergure. Là, c'est comme un cri, et là, c'est murmurer. Mais il ne s'agit pas du tout de langage. Il s'agit de se balancer. Les mains derrière le dos, l'une tenant l'autre. Toutes ces fleurs noires sont balancées, quelquefois de manière presque imperceptible, mais balancées quand même. Les fleurs ne sont jamais tout à fait immobiles. Et là, il vibre jusqu'à la moelle, comme une baguette de sourcils. L'eau, source. Rivière, bassin, fontaine. Tous les points d'eau repérés, vibrés. Nos trajets sont en blanc. Le désert. Ou presque. Presque. Il y en a un de petits filets de lignes d'air qui y passent. Et voyez-vous, l'ancien lieu là-haut, la ligne d'air y va. Allez savoir pourquoi ce retour opiniâtre à l'ancien lieu. Il arrivait que l'une ou l'autre d'entre nous l'accompagne, ce gamin, jusque dans l'eau. Lui ne s'y mettait pas dans l'eau. Il regardait. Et nous y avons pensé, puisque d'autres
il n'y en avait pas pour lui. Comment faire pour nous faire haut à ses yeux? Juillet 1969. Il a dû arriver quelque chose. Là-haut, il y a toujours le mouvement d'horlogerie, immuable, tourner en rond et se balancer. La roue et l'ancre. Mais la ligne d'air, elle les prend, nos trajets, qui en sont tout irrigués. Est-ce à dire que ce gamin-là prend part à nos projets? De bon à rien qu'il était, le voilà devenu une extraordinaire machine à tout faire. Décidément, sans le langage, point de fin. Vérité d'évidence qui peut nous éviter de voir que le langage peut avoir ses propres fins. Et de nous, il s'en fout pas mal, le langage. Ni plus ni moins que ce gamin-là. L'un de nous est parti vivre dans un creux, à 300 mètres du hameau. Robinson, dans son île d'en bas, dans son île en creux.
et pourvu de quelques vendredis pas ordinaires. Invivable, insupportable, incurable. Un petit cours d'eau, une tente, un abri. Les quatre murs sans toit d'une bergerie depuis longtemps désertée. Sans toi. Sans toi ni moi, ces enfants-là. Et la ligne d'air y va, en revient, y repart. Y demeure, en repart. Et la voilà dans cette maison où nous sommes. De l'eau dans la maison, il n'y en a pas. C'est ce gamin-là qui l'apporte, qui nous l'apporte. Ce nous-là, je le rajoute. Ça nous fait cet effet-là, qu'il nous l'apporte, l'eau. Inlassablement. L'eau. L'eau portée de la fontaine à l'évier de pierre. Inlassablement, c'est peu dire. Il y avait comme de l'enthousiasme dans l'effort de la porter, cette eau. Et pourquoi pas? Les jours étaient semblables. Et tout piqueté d'éclats de joie. La joie, ça éclate. Il en retombait des morceaux partout, entre nous, à tout moment.
Si vous l'avez mis en blanc, si vous l'avez mis en blanc, c'est qu'il y a quelque chose qui se repère là, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui apparaîtrait, qui soit un peu de même nature que le cercle blanc de l'île d'en bas? C'est-à-dire, tous les trajets des gamins aller à droite, à gauche, circuler, et jamais leur trajet ne franchissait. Et est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça? Non, je pense pas. Non, tant pis. Bon. On en trouvera bien quelque part. Donc au ferret, il y a cette pierre-là, qui est l'ancienne pierre à tiroclet. Oh, il n'y a aucun objet qui passe là-dessus. Il y a maintenant un gourdin qui on tape dessus. Voilà. Qui remplace le caillou. Enfin là, c'est un gourdin. Ouais. Et sur ces pierres-là, à l'avance, il y a une bassine, la scie ou la hache. Ouais. Et là, disons une gamelle ou un sac à pommes de terre. Ouais. Donc, sur ces pierres sont posées à l'avance ce qui va se passer. Et au moment où on les pose, on passe aussi par la pierre, on tape un truc de bourdin.